Le bras, c'est le maillot de champ. C'est magnifique, gars, il va trouver ça drôle, même pas. Allez, Dominique. Allez, c'est bien parti. Il faudra attendre
Attention à droite, attention. Tu dis, et rien de modon avec. Il sait que c'est là qu'il trouvera des alibis majeurs pour les prochaines épreuves, qui est donc, je vous rappelle, un équipier de Yves Cardinal, le champion du Poitou. Yves Cardinal qui n'a pu répondre présent à l'invitation de Jean-René Bernadeau, puisque dans son propre pays, Chabrac en Charente. Une victoire qui vous fait plaisir certainement, mais qui fait plaisir à Jean-René Bernadeau, qui fait plaisir à tous les organisateurs ici. C'était quand même dur parce que Didier Martinez n'a pas dit son dernier mot que dans les 100 derniers mètres. Non, ce qu'il y a, c'est que Martinez, il a imposé un bon rythme, mais c'était très dur de maintenir la cadence. Enfin, je voulais pas trop non plus en faire parce que je sais que dans deux jours, je m'en vais en Hollande. J'ai une sélection d'équipe de France et il fallait pas trop que j'en fasse aujourd'hui. Alors j'ai limité le casque, enfin, j'ai bien contrôlé la course et puis à la fin, j'ai réagi comme il fallait. Quoi. Voilà, je voulais justement parler un petit peu des rendez-vous un petit peu partout, puisque vous êtes plus un coureur national mais international. Comment faites-vous pour trouver le temps de récupérer entre tous ces rendez-vous? Et puis de temps en temps, vous êtes bien obligé de dire, ben non, je ne peux pas y aller. Justement, c'est comme aujourd'hui, il faut limiter un peu le... Ça meuf sa forme, quoi. Il faut pas trop en faire non plus. Hein. Il faut quand même garder une bonne condition. Si je m'étais dépouillé aujourd'hui, je pense qu'à Guitton, j'aurais certainement quelques défaillances. Alors, prochain objectif pour vous, c'est la deuxième manche du challenge national. C'est certainement aussi un troisième titre de champion de France. Il vous va si bien, ce maillot de champion de France. Et puis cette année, en 87, ce sera exceptionnel. Il y a les championnats du monde à Pont-Château. Et ça, c'est en France que ça se passe. Et en 89, c'est en France que cela se passe. Et on a un garçon qui peut bien figurer, pourquoi pas, sur la plus haute marche du podium, c'est Bruno Lebras. Vous y pensez un petit peu? Ouais, j'y pense et je pense que dans l'équipe de France, je suis pas le seul à pouvoir accéder à un podium. Martinez l'a prouvé l'année dernière, il fait cinquième. Il était très proche du podium.
Je pense qu'on est quand même bonne équipe cette année et depuis quelques années déjà. Mais ce qui nous manque, c'est un peu la chance et l'opportunité pour accéder à un podium. L'entente au sein de l'équipe de France se passe de façon parfaite. Ouais, ça va très bien. Ouais. Franchement, c'est pas de problème. Mieux que certaines années. Ouais, disons qu'il y a un peu de. Ouais, ça va mieux, ça va bien. Quoi. Disons qu'il y a des mots quoi, toujours partout, quoi, mais dans l'ensemble, ça va bien. Alors, en attendant Didier Martinez, je vais vous demander d'applaudir un grand monsieur du cyclocross, Bruno Lebras, champion de France, vainqueur ici à Saint-Maurice-le-Girard. Il a été à plusieurs reprises un de nos meilleurs représentants au niveau national. Voilà son second. Ce n'est pas un petit monsieur non plus. Champion de Normandie en supplément. Le titre de champion de Normandie, c'est-à-dire déjà on a perdu Yves Rouin, qui s'en va en Île-de-France. Alors, pour moi, c'est un peu moins dur. Il ne reste plus qu'Alain Daniel quand même à battre, parce que c'est un client quand même. Il finit avec Bruno à 7-8 secondes dimanche quand même de Bruno Lebras. Tout est exceptionnel ici à Saint-Maurice-le-Girard. Alors, le vainqueur, le second, le premier junior. Alors, si Anthony nous entend, ça y est, il arrive Anthony, quand même. On a eu peur. Le premier espoir, on l'applaudit quand même très très fort hein, encore une fois. Bruno Lebras. On fera l'interview après, on va faire très très vite pour les photos de famille. Vous savez que nos amis de la presse sont venus très très nombreux encourager les organisateurs ici aujourd'hui. Jean-René Bernodeau en tête, Jean-René qui leur a rendu bien des services dans le cadre de sa carrière professionnelle. On lui renvoie l'ascenseur, c'est tout à fait normal. C'est un petit peu ce que nous faisons également à notre façon ici. Alors Gilles qui a beaucoup de... Il y a un suspense jusque dans les toutes dernières secondes, je crois que... Réellement, on pourra couronner ce soir d'un grand, grand, grand succès cette quatrième édition, et ce qui pourra donner encore à Jean-René un courage immense pour l'édition 1989, parce que déjà, on peut en parler, on vivra à nouveau une grande épreuve ici en 89, et toujours à la même date, le 11 novembre. En soulignant que la coupe a été offerte par nos amis de Alouette FM, alors que les demoiselles vont revenir parmi nous pour la bise au vainqueur. Voilà. Bruno a un geste pour la photo de famille, un geste qu'il a accompli ô combien de fois. D'ailleurs, on va lui demander c'est la combien de victoires que tu es. Donc, ce point en Saumur-Champigny, le charme, le chic, l'esprit, c'est le Saumur-Champigny. La coupe qui est offerte par le TFM et bien sûr la gerbe au vainqueur. Alors que. Toujours la photo de famille. Voilà Bruno, on l'applaudit une toute dernière fois. Il va nous quitter, mais pour un retour, il nous l'a promis en 1989. Vainqueur donc de cette édition, lui qui avait été déjà sacré. 26. Tel courage. 18 et 32 en contre-attaque, sorti du peloton, donc, c'est-à-dire Joly, le 18, Rambourg et le 32. Le peloton de tête va nous rejoindre dans quelques instants. Nous referons un pointage très précis dans l'ordre du programme. Je vous redonnerai la composition exacte des hommes de tête. Nous tenterons de donner une carte de visite.
physique de chacun, si cela est possible aussi. Voilà, ça revient très fort maintenant. J'ai l'impression que l'entente pour autant est assez parfaite. Le temps de passage sera approximativement de 15 minutes 47, mais Paul nous donnera des précisions tout à l'heure, un top 13 exact maintenant. Ce qui est important, c'est de savoir si les trois vont pouvoir revenir et le peloton à combien. Voilà, peloton conduit par le dossier 36, Walter Benuto du Vélo Club Air Bretée, alors qu'un coureur est victime d'un ennui mécanique là, à l'instant. Attention donc pour le déjà 15 secondes, quel est le coureur qui... Ah, la chaîne était tombée. Pas d'affolement, attention. Voilà, le peloton, les bons, c'est 31 secondes exactement. Et le gros du peloton, 35. Voilà, 31 et 35 secondes, ce sont les écarts. Oui, c'est toi qui lâche, fais attention. Là, c'est Hervé Desormals de... Ralentissez, vous vous mettrez sur le côté, vous passerez à un côté. Voilà, c'est bien là. Ça, c'est impeccable, hein. Comme ça, vous restez devant nous, allez hop.